Bonjour. Bienvenue sur la chaîne YouTube Mes Livres Santé. Mois de janvier oblige, cette semaine on aborde la bonne résolution d'arrêter de fumer et de moins stresser. Et pour cela, j'ai invité Lucie qui vient nous parler du livre d'Alain Carr, La méthode simple, en finir avec la cigarette aux éditions Pocket. Alain Carr, c'est l'auteur américain qui monopolise le marché du livre pour tout ce qui est d'arrêter de fumer. Alors, est-ce que cette méthode, Lucie, a marché pour toi ? J'ai lu ce livre il y a environ 3 ans. Ce que j'ai beaucoup apprécié au début du livre, et notamment tout au long du livre, c'est que l'auteur ne nous met pas la pression. Il nous demande de continuer à fumer pendant la lecture. Et surtout, l'essentiel, ce que j'ai beaucoup aussi aimé, c'est à la fin, l'auteur nous demande de fumer la dernière cigarette pour se débarrasser de ce poids qui est d'arrêter de fumer. Et combien de temps tu as réussi à arrêter de fumer ? J'ai arrêté de fumer 4 mois, mais l'envie a été plus forte. Notamment à cause du groupe d'amis, oui. Des soirées et du travail. Classique. Bah écoute, je te remercie Lucie, je te dis à bientôt. Merci à toi. Si la méthode d'Alain Carr n'a pas marché, vous pouvez toujours lire « Comment te passer du tabac » de Stéphane Clerget aux éditions Limonade. C'est une petite maison d'édition suisse qui s'adresse plutôt à la jeunesse. Alors j'ai tout de suite été attirée par la ligne graphique et la ligne éditoriale. C'est très très bien fait. Nous avons des illustrations comme celle page 18, voilà, de cette jeune fille boudeuse qui va dire « Je fais ce que je veux, c'est mon corps ». L'auteur va vraiment reprendre tous les pseudo-prétextes des ados pour les démonter les uns après les autres en leur disant que non, ce n'est pas le meilleur moyen pour s'affirmer face à un adulte, non, ce n'est pas non plus la meilleure méthode pour s'intégrer à un groupe, et il va leur donner des solutions, comment s'affirmer sans la cigarette, comment décrocher aussi progressivement. C'est vraiment un livre qui est très bien fait, qui est court, qui va à l'essentiel, que je conseille à la fois aux fumeurs, mais aussi aux non-fumeurs ados qui seraient tentés d'essayer. L'auteur leur dit clairement non. La bonne résolution aussi de cette année, ça sera de gérer son stress avec Apprivoiser son stress, le cahier d'exercice qui vous veut du bien, des co-auteurs Elisabeth Couson et Françoise Dorn, aux éditions ESF. Cet ouvrage surfe sur la vague des petits cahiers d'exercice pratiques, ludiques, avec un graphisme simple à personnaliser selon ses besoins, selon son niveau de stress aussi. On apprend ou on réapprend à respirer, à se focaliser sur des idées positives, à savoir dire non grâce à des listes où on va cocher tous nos petits travers, mais aussi où on va trouver des solutions pratiques à mettre en œuvre au quotidien. Un livre que je conseille à toutes. Sur ce, bon mois de janvier, bonne résolution et bonne année 2017.